Après la phase écrite, la délibération et la proclamation des résultats du brevet d'études du premier cycle BEPC session de juin 2021, place ce mardi 6 juillet aux épreuves orales et sportives pour les candidats déclarés admissibles du centre de composition du lycée Mathieu Bouquet de Parakou au collège d'enseignement général de Zongo. Le constat est effectif. Des candidats planchent dans plusieurs disciplines sportives, dont le saut en hauteur, le lancer de poids et la gymnastique. On a divisé les candidats en deux groupes. Le premier groupe est au sport. Hein? Les gens dont les noms ont commencé par A jusqu'à un certain niveau. Donc on les a scindés en deux groupes. Les gens du premier groupe sont au sport, tandis que les gens du deuxième groupe sont à l'oral. Et le soir, on va faire une permutation. Ça s'ouvre plus. Donc devant les candidats, nous avons ouvert, nous avons constaté que au niveau des trois activités, il y a en première position la gymnastique, et ensuite il y a le lancer de poids et le saut en hauteur. C'est la joie dans le rang des lauréats pour avoir tiré leur épingle de jeu à l'issue de cet examen national et qui affrontent sans grande difficulté ces épreuves orales et sportives. Je suis tout heureux d'avoir réussi à l'examen. Je vois que les épreuves n'étaient pas si difficiles pour moi. Je viens de terminer l'épreuve sportive, qui est l'EPS. Au cours de l'épreuve, il y a eu trois étapes. La première, c'était la gymnastique. Deuxième, lancer de poids. Et enfin, saut en hauteur. À l'EPS, ils nous ont demandé de faire la gymnastique, le lancer de poids et le saut en hauteur. Bon, au niveau du saut en hauteur, pour sauter la corde, j'ai eu quelques difficultés. Comme la phase écrite, les épreuves orales et sportives sont également importantes dans le processus de l'obtention de ce précieux sésame. D'où cet appel. Les candidats qui sont admis là, je leur demande toujours la sérénité d'aller lire leurs tests d'anglais ou bien d'espagnol pour mieux répondre et combler. Parce que parmi ces candidats-là, il y en a qui ont été rachetés. Et de faire assez de performances en sport pour pouvoir combler et avoir la moyenne 10 pour décrocher le BPC. En EPS, c'est les aptitudes. Hein. Et aujourd'hui, avec l'APC, qui est aussi au niveau de l'EPS, pour un élève qui est moyen, il doit pouvoir avoir plus de la moyenne. Mais bon, vu qu'il y a la gymnastique, qui est souvent la bête noire, je crois quand même que ça va. J'ai parcouru un peu les ateliers. Ils se débrouillent. Puis c'est eux-mêmes qui composent leur propre enchaînement et au niveau de la gymnastique, en tenant compte de tout ce qu'on leur a appris au niveau de la gymnastique. Donc ça fait que bon, les enfants même se débrouillent bien. Sont concernés pour cette journée les candidats des séries modernes courtes. Les candidats des séries modèles longs planchent le mercredi 7 juillet 2021. Et il faut préciser que cette phase va durer 2 jours.